On n'a pas vu de grandes offensives hein, pour l'instant, Jérémy. On n'a pas vu un coureur tenter sa chance. Ah Ben voilà, bah ça y est, fallait demander. voilà. C'était sûr. Avec Henrik Maas Allez, qui saute dans la Formolo. roue de Davide Formolo, qui a profité de ce petit îlot central là pour tenter de piéger ses compagnons d'échappée en passant par la gauche et surtout en s'abritant derrière la moto. Et on revoit. On Hein. voit. Henrik Maas très attentif, hein, en tout cas. Ça y est, hein, fallait bien qu'il y en ait un qui mette la première banderille. Non, ça se retourne, ça se regarde. Henrik Maas forcément qui va tenter maintenant de faire le travail hein, pour Alejandro Valverde, qui va sauter Oui, sur de tout ce qui maintenir un bouge. train. Ouais. Bah, il va maintenir un train, mais c'est dur de sauter sur tout ce qui bouge s'il est en tête comme ça. Bax en dernière position, juste derrière Vincenzo Nibali. Guillaume Martin au milieu de ce groupe avec ce maillot de la Cofidis rouge et blanc. Colzo Vivo prend quelques mètres en facteur, mais voilà, Henrik Maas réagit. Attention à Schurlbach, hein. Depuis tout à l'heure, il est tout en bas de ce groupe. Peut-être tenter de faire le coup du kilomètre. Hein. On sait qu'il est spécialiste du contre-la-montre, ce jeune néerlandais qu'on ne connaît pas trop hein, encore dans le peloton international. Alors, on va Ouais, passer bon. bientôt à la flamme rouge hein, dans quelques instants. Henrik Maas qui mène ce groupe hein, pour Alejandro Valverde, on le rappelle, l'ancien champion du monde. Ouais, Henrik Maas qui maintient un tempo élevé hein, pour éviter qu'il y ait trop de différentiel de vitesse en cas d'attaque. Permet de réagir plus facilement. Allez, la flamme Allez, la rouge! flamme rouge, le dernier kilomètre donc de cette 75e Copa Agostoni avec Guillaume Martin qui va tenter d'aller chercher la victoire, mais il a des adversaires de taille puisque Alejandro Valverde, Andrea Piccolo, Rigoberto Urán sont présents dans ce groupe. Attention à Alors, Vincenzo Nibali, attention Shortbacks. à Schurrbachs qui est en train de remonter là. Guillaume Martin qui ne veut pas laisser sa place au Néerlandais dans la roue de Rigoberto Urán. Ça roule vite, hein. Ça roule un peu vite pour essayer d'attaquer. Et regardez Andrea Piccolo, l'intelligence de se mettre hein, dans la roue d'Alejandro Valverde. Le jeune italien, Henrik Maas qui va emmener ce groupe. Guillaume Martin déjà en danseuse. Hein. Allez, SNL c'est Alejandro parti Valverde pour hein, qui va lancer Valverde. de très très loin, à plus de 250 mètres de la ligne. Prise en chasse par Andrea Piccolo. Davide Formolo également, Schurrbachs qui fait son effort là, plein centre pour l'équipe Alpecin de Koenig. Ça va être un duel entre Bax et Alejandro Valverde. C'est Schurrbachs qui est le plus fort. Victoire du Néerlandais ici sur cette 75e Copa Agostoni. Jérémy, vous en parliez, on n'avait pas forcément de référence pour lui au sprint. Mais le Néerlandais est allé chercher une superbe victoire en battant du très beau monde sur cette Copa Agostoni. Ouais, très belle victoire hein, pour Bax. On le savait en forme sur cette fin de saison. Il a su être maître tacticien, il a su se reposer derrière, être vigilant, pas se faire surprendre et remonter au bon moment pour ajuster Alejandro Valverde qui a peut-être anticipé son sprint d'un peu trop loin. Il est parti à plus de 250 mètres de la ligne d'arrivée. Et Voire même voilà, 300, chapeau. un bon 300, hein. Un Un bon 300 mètres pour bon Alejandro 300 Valverde. carrément. Il n'avait pas forcément très beaucoup confiance en les qualités de poisson qu'il a d'Henrik Maas. Chapeau à Shirtbacks, du coup. Ouais, première victoire chez les pros pour le Néerlandais de 26 ans. Il se découvre hein, après sa victoire sur l'Alpizer Tour l'année passée. Quatrième du Tour du Luxembourg, hein, c'était sur notre antenne il y a quelques jours. Et il profite hein, de cette belle forme.
Après deux top 5 sur les classiques belges de fin de saison, alors que Kobe Gossens, Stefano Oldani et Simon Yates vont aller se disputer une place dans le top 10. Avec Stefano Oldani hein, qui lance son sprint, Simon Yates qui rentre les épaules. Et Stefano Oldani le plus rapide donc pour aller chercher la 10e place, Kobe Gossens 11e et Simon Yates 12e de cette Coppa Agostoni.